nous reprenons notre partie de Tactics Ogre Reborn. Et on était dans une partie visiblement annexe du jeu. J'ai vérifié, hein, on sait qu'on s'était rendu après coup. Alors, je veux tester déjà un truc. Je veux voir si... si quand je sors d'ici, qu'est-ce qui se passe si quand je reviens? Donc je me replie, je retourne sur la carte de Valeria. Si j'y retourne, il faut tout refaire. Ok. Je m'en doutais un petit peu. Donc c'est aussi une manière éventuellement de récupérer des trucs. Tac. Donc là, tu te retapes ça à chaque fois. Ok. Donc attends, on va... On va utiliser... Attention, ça va me faire sortir du jeu. On va utiliser la sauvegarde rapide puisque c'est pas très très grave. À moins que je peux retourner sans faire une sauvegarde rapide. Ah oui, je peux retourner avant titre sans sauvegarder, oui. Mais sinon après ça me fait sortir du jeu, donc là c'est... Je recharge ma partie. On va peut-être au moins se faire ça et après aller voir là. Donc visiblement, ça vous permet de récupérer des matériaux, mais évidemment, tant que vous êtes là, bah vous pouvez pas reprendre retourner dans un magasin, tout ça, vous pouvez pas, quoi. Vous pouvez pas racheter des fournitures ou alors changer d'arme, oui, si vous en gagnez sur le terrain, mais du coup, vous êtes assez fermé. C'est une sorte de petit défi, comme si vous étiez dans une tour, vous voyez, puis que les niveaux s'enchaînent. Simplement. Bon, on va aller voir la map suivante. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette map? Ouais. C'est tout? Ils ont quoi? Un chevalier de l'effroi, ils doivent avoir un ninja, une sorcière, une sibylle, deux archers. Surpris qu'il y ait personne comme ça là-dedans. La map d'avant était plus dure. La map d'avant, il y avait quatre dragons. Ok, bon, on va rester avec cette team-là. Je me suis fait une autre team, hein, pour le coup, parce qu'on joue à 8, là, on n'a pas le droit de jouer à 10, celle-ci. Ouais, ma petite team, elle fonctionne bien. Ouais, parce que là, du coup... Ouais, on va rester avec ça. Allez, c'est parti, on tente avec ça. Je vais peut-être quand même aller regarder mes unités. Alors, j'ai relancé du coup, tiens, le jeu sur PSP, ça m'y fait penser. Ils ont changé plein de trucs en fait, hein. Le menu était pas du tout comme ça. Enfin, c'est pas qu'il était pas comme ça, mais il n'y avait pas l'accès direct à ça là. Quand vous ouvrez le menu, en fait, c'est des troupes. Donc vous aviez vos troupes, mais alors après, ça ressemblait pas à ça à l'intérieur. Et alors, il faut aussi expliquer que c'était comme dans FF Tactics, c'était les points de job. Pour débloquer les compétences et c'est les points que vous attribuez. Donc en fait, ils ont changé en fait le système de niveau qui apparemment se rapproche plus de ce qu'était le premier, enfin la première version de 95 de Tactics Ogre. Mais alors sachez que pour le coup, sur PSP, j'ai toujours pas trouvé comment on équipait un objet. Parce que tu vas dans le menu objet, ça te met inventaire, t'as ça, tu vas là. Et en fait, tu te retrouves là, mais du coup, j'ai toujours pas trouvé comment on faisait pour équiper. Alors, je sais pas s'il y a un truc à déployer en plus. J'ai trouvé que le savoir ce que j'ai dans mon inventaire, mais je ne savais pas comment le mettre
mettre l'inventaire sur le personnage. Je sais pas. Du coup, ça m'a fait rigoler parce que je me suis dit, bah bravo. J'arrive même pas à passer l'écran équipement. Oui, alors attends, elle a rien appris de plus, ce qui est bien normal parce qu'il y aurait pas de raison. Donc, Aricel a complètement rejoint ma team hein, maintenant. C'est cool. Je vais peut-être quand même regarder les compétences. Parce que ça, c'est toujours ce qui peut être intéressant. Attaque sournoise. Toi, tu vas pas jouer ici. Ouais. Attaque sournoise aussi. Donc, mon autre archer. Non, je dois jouer Sarah en autre archer. Ouais. Bon, de toute façon, ça doit à peu près le faire. Hein. C'est la même team qu'avant. Allez, on y va. On verra bien. Ça m'étonne qu'il y ait si peu d'ennemis là, sur cette map là. Peut-être des renforts qui vont arriver. Possible hein, qu'il y ait peut-être des petits renforts. Des renforts des sous qui arrivent. Alors, je sais pas comment je vais... Parce que les archers vont nous arroser. Ouais, faut envoyer des gens. Bon, l'archer, on va le faire monter parce que comme ça, elle pourra gérer ce qui est en dessous. Par contre, je vais peut-être mettre par ici pour laisser passer les autres. Parce qu'il va falloir que ça avance un peu. Lui, il va pouvoir aller rapidement se positionner ici. Est-ce qu'il peut mettre un petit coup? Non. Ouais, ok. On va le mettre là. Tac. Attends, là, ça en fait deux archers. Et on va envoyer... Alors, parce qu'il y en a quoi? Trois qui vont arriver par là. Les autres, je pense qu'ils vont faire le tour par le bas. Magicien, on va le laisser là pour le moment. Ouais, ils arrivent sur nous. Ok, ils arrivent par là. Ça tire, logique. Magicien, on va le laisser à peu près là aussi pour qu'il puisse arroser les deux côtés. Là, on en déplace un devant. Un autre ici. Donc ça, c'est un guerrier qui va aller aider Canopus. Et là... Ouais, je vais avancer avec Voltar et je vais envoyer, je pense, le chevalier, la chevaleresse de l'effroi là-haut. Même si en vrai... Ah, il y a quand même... Ouais, si, il faut que j'en envoie 3 à cause du chevalier. Peut-être que le magicien, je le ferai monter aussi parce qu'il va être plus sensible à la magie, le chevalier de l'effroi. Ouais, là je peux pas toucher grand monde encore, c'est normal. Lui on va le laisser là. Lui on va un petit peu le déplacer par là. Il charge MP. Méfie de la ninja quand même, hein. C'est ninja, ça peut cogner assez vite. Alors là. Ouais, ce que je vais. Le problème, c'est que je risque de prendre. Prendre assez vite. Terror. Je peux envoyer une petite boule de feu, une petite magie. Que normalement, il craint ça. Une petite boule de feu. Attends, j'ai peut-être pas trop avancé parce que si j'avance là, je peux pas les attaquer. Donc on va les faire venir vers nous.
Lui, je peux le faire un peu avancer. Devant, là. Faire un petit bouchon ici. Ah, il a une arbalète. Oh, c'est pas souvent qu'on en voit. Ah, il peut aller jusque là-bas, le chevalier du beffroi, ok. On peut endormir quelqu'un, 0%, ouais, c'est une idée. Ok, là ça a pas avancé. Lui il va riposter. Combien? 19. Ouais, ça va. J'enlève 93 et je prends 19. Ah, c'est pas moi qui ai pris. Avec son... Ah oui, parce qu'avec son arbalète en plus il tire tout droit. Hop. Ah oui, par contre il est un petit peu embêté. J'avais pas fait gaffe qu'il pouvait pas se déplacer. Ah, je suis obligé de le mettre là. Il va bien se déplacer là où il est. Est-ce que je peux arroser un peu là le soin? Alors, je peux pas la... Ah, je l'atteins d'ici? Ouais, j'imagine que 74... Hop. Ça, il craint un peu plus la magie. Et ça y est, ça avance. J'ai peur que ça avance pas, ça. Alors, là. On va aller lui mettre un petit coup de hache dans le dos. Ah, je vais me mettre là, parce que si tu veux que mon chevalier... Il tape à quand, mon chevalier? Ouais, il va pas tarder à taper. Ok. Voilà. Hop, il prend une petite tenaille. Nice. Elle qui va soigner, normal. Alors ici, si je me mets là, je me mets relativement à l'abri. Et puis je peux taper. Riposte pareil. Et là... Ouais, je vais aller prendre de front. Et sur le côté... Côté avec le ninja... Parce que j'ai peur, c'est que ça vienne ouais, faire une... Ça, à mon avis, le problème, c'est que ça va tenter une percée sur le magicien. J'ai peut-être attendre ici, hein, tout simplement. Parce que là... Faire comment il fait la map. Ah, ils peuvent passer là, de toute façon. Ah oui, donc ça sert à rien. Ah, ils vont essayer d'aller percer sur le magicien, je pense. Ouais, donc je vais les cogner. Je vais les cogner. 110, 107... Bah, je vais taper de face, parce qu'il y a potentiellement une tenaille. Et là, je vais rester dans cette position, parce que je suis bien. Hop. Peut-être que j'ai plutôt tapé la soigneuse, hein. Ah, il a mis, il a réussi à mettre. Ah, j'aurais peut-être dû voir si je l'avais pas, moi. Peut-être pas très bien joué là. Est-ce que là il y a quelqu'un à soigner? Non, dans l'immédiat, ça va. Je peux attendre.
Déjà quand on aura fini de s'occuper de lui là. Chevalier de l'effroi, ce sera pas mal. Ah, elle est juste un peu loin, évidemment. Je pense que là, même si je vais là... je peux pas faire grand-chose. Un petit peu de magie... 18-92, hein, c'est pas ouf. Faut pas le découvrir comme ça, ouais. On va le laisser... on va le laisser mijoter des MP. C'est pas une ninja, elle attaque une fois. Elle se refait soigner. Ce qui est normal. Et taper là-bas. Ah, je peux pas aller là-bas. Là, je peux aller. Ok, en moins. Alors, chevalier de l'effroi qui va plus me servir à grand chose. Je vais le laisser... Où c'est que je pourrais le mettre? À 2%. Je vais mettre ça. Je vais laisser... Ouais, je vais laisser là parce que je pourrais le soigner. Je vais peut-être un peu le rapprocher d'ailleurs. En protégeant son dos là. Hop, je vais le soigner. Là, je pense que je vais finir lui. Ça ne s'embêtera plus. Voilà. Ok, alors, moi ça va se... Bon, j'imagine qu'ils vont essayer de taper le chevalier parce qu'il a moins de vie. Logique. Alors ici... ça fait quelque chose, ça va rentrer en contact, ça va pas assez loin, ça je vais prendre, ah non je prends pas de riposte, bon bah écoute ça, ah oui c'est une magie, hop je prends le sac, il y a un arbre devant moi, ouais. Un peu médicinal, allez je peux pas prendre le coup critique là, dommage, le coup critique qui traîne. On va mettre ça, ça fait plus de dégâts, 306. Hop. Ou qui fait mal. Alors ici. Bah ici, on va taper avec sa compétence et prendre le sac. Évidemment. C'est pas terrible ce sac. Hein. Le soin, en plus il a bénédiction, donc ça, ça va faire du bien. Je peux même peut-être soigner les deux. Hop. Parfait. J'ai peur qu'elle vienne me taper, elle. Hein.
Le coup critique qui est devant moi, pour une fois, ça fait plaisir. Enfin, qu'il y a un endroit qui m'arrange bien parce que c'est dans son dos. Donc bah, Chevalier de l'Effroi qui va faire un peu 10 de cible. Si ça les fait avancer, je vais le laisser. Je vais le mettre là. Alors là, qu'est-ce que je peux faire avec mon magicien? Ouais, je peux finir elle, bah écoute, c'est ce que je vais faire. Et après, on va... Ah ouais, on va aller là. Hop. Petite flèche. Là, elle soigne, c'est normal. Il s'est approché. Pas dans son dos. Hein. Ah si. Ah, il y a coup critique sur le côté, non? Coup critique, ça. Atout du forcené. Du force. Ah oui, c'était beaucoup plus fort. Hop là, je soigne le chevalier de l'effroi. C'est une chevaleresse. Ah, elle tient bien la soigneuse des coups de hache. C'est marrant ça. Ouais, je peux pas envoyer une magie. Bon, je ferai autrement. Là, de toute façon, je récupère coup critique. Hop. Oh. Elle aussi. Hop. Bah, on va aller chercher un sac. Et en profiter aussi pour se soigner. Non, se soigner. Hop. Robe de magicien, culotte en lin. Pas ouf, hein. Ah tiens, ça s'est estompé. Ok. Ça s'est estompé. Erreur. Une petite tornade. Ah ouais, ce 1 de dégâts était magnifique. Hein. Alors lui, Ouais, il va même pas pouvoir aller chercher le sac. Bon, je vais quand même le mettre devant. Ah, ou alors, attends, est-ce qu'il peut soigner l'archère là? Ça sort pas grand chose. Il peut soigner l'archère et après se déplacer. Mais c'est vrai que de toute façon... Alors lui, il est encore bloqué. Hein. Vous voyez que lui, il a vraiment des problèmes de mobilité, là. Il peut pas monter, en fait, puisque... Là, il peut pas passer la plante. Et là, il peut pas monter, à mon avis, une case comme ça. Enfin, je vais essayer de le mettre là, mais j'ai l'impression qu'il va pas y arriver. Il est vraiment pas mobile, mon... là, je vais... Alors, je peux taper et aller chercher... 159... 219... 219 aussi. Je tape et je vais chercher le sac. Minerai de cuivre, un peu plus intéressant. Là, bah, je vais chercher direct le sac, je ne me pose pas de questions. Bon, je pourrais faire un soin. Bon, je fais un soin pour le principe de faire quelque chose. Ouais, il n'y avait pas grand chose non plus. Ok, bon, bah, comme ça, on a récupéré tous les sacs. Tac. Et là on va en finir. Bon, elle était easy la map. Hein. Elle était vraiment easy. En même temps, quand tu vois qu'ils étaient pas beaucoup et qu'il n'y avait pas d'ennemis particulièrement
Par contre, ouais, tu rapportes rien, juste un peu d'argent. Et même en termes de composants, hein, on n'a pas ramené beaucoup de choses. Hein. Colline des Hurlevents. Bon, oui, ça. Mais là, du coup, j'aurais complètement complété ce chemin, là. Parce qu'après, derrière, il y a l'air de plus rien avoir. Ce qui fait qu'après, si je refais, j'aurais juste ça, ça, et après, je continuerai par là. Quoi. Donc, attends, une petite sauvegarde. Et on est parti ici. On va finir quand même d'explorer au moins ce chemin-là, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il y a en face? Ça va peut-être être un peu plus musclé. Bah, on dirait que c'est la même map. Ah, ils ont un cuirassé dragon, par contre. Un cuirassier. Ouais. Ils ont un cuirassier... Bon, on n'a pas de dragon, donc on s'en fout. Ils ont un ninja. Ah, ça va être un peu plus... Ouais, ils ont un peu plus de gens qui frappent, là. Ils ont deux ninjas. Ah non. Attends, c'est quoi ça? Ah non, c'est un maître épéiste, pardon, c'est pas ce que j'ai pris pour un ninja tout à l'heure, c'est un maître épéiste. Donc ils ont un ninja, deux maîtres épéistes, un chevalier de l'effroi, ils ont encore un autre ninja, donc ils ont deux ninjas. Ok, wow, ça peut... Ouais, ça le fait, hein. Ça le fait l'équipe qu'on a. Donc c'est juste le vent qui hurle. Il n'y a pas de... Avec un nom comme ça, je me suis dit, il y a peut-être des... Alors attends, par contre, comment ça va se déplacer, là? Est-ce que là, j'ai pas un bon point de vue avec mon archère? Très bien. Alors, où c'est que je fais le plus mal? Attends, elle fait quoi? Maître épéiste, ninja. Ninja, je pense pas qu'ils puissent se soigner. Ils ont des magies, mais... Ça a tenté de caillasser, hein. T'as vraiment l'impression d'assister à une manifestation, là, quand tu les vois faire ça. Ouais, je vais me mettre là. Un coup d'arc supplémentaire. Ah, non, j'aurais dû me... 120, hein, il fait plus mal. Attends, peut-être que j'aurais dû... Je peux pas me mettre... Attends, peut-être mieux que je me mette là. Tac, on va rester sur la même. Ah ouais, elle encaisse mieux. Ah ouais, non, bah d'accord, elle encaisse mieux les flèches. 60... Ah oui, puis je vais prendre un... 60... Ok, ouais, il vaut mieux que... 75%... 74% de chance, de m'enlever un peu. Ouais. Elle a des cailloux en riposte, ça ne nous fait pas peur. Bon, pour le moment, je vais plutôt rester là. Ah, attends, par contre, lui, je vais peut-être plutôt le mettre là. Hop, il charge un peu. Ok, donc là, on peut bien arroser de ce côté-là. Alors après, il va faire... Bon, lui, de toute façon, il a pas chargé. Ouais, il a que 10, donc lui, je le bouge pas. Alors, il va quand même falloir essuyer... Alors, devant, il y a des trucs. Faut qu'on se sépare un peu, là. Donc je vais en emmener deux ici. Et deux devant. Voyons comment ça va se passer. Alors le problème c'est que c'est vrai que le magicien va être un peu loin. Cuirassé dragon, ça doit cogner. Hein. Je suis assis là. Ouais, lui je vais le laisser là, toujours. Voir après s'il se... Je vais peut-être le faire légèrement avancer. Hop. On économise les MP. Ah! Attaque paralysante. Ah, elle fait le tour. Donc là, on va en profiter pour avancer aussi. Ok, donc là ça va, ça se passe bien. Là, je pense pas que je puisse avoir les deux d'en bas.
Ok, donc on va se concentrer. On va se mettre là, on a une bonne position parce qu'on peut faire et de la magie. Ouais, ce qui va plus craindre à mon avis, 134. Ok, il craint plus le vent. Tac. Faire plus de dégâts avec la magie qu'avec mon arc hein, sur lui. Clairement. Merde, mais j'ai tiré sur mon gars. Quel con. J'ai tiré sur mon mec. Ah là. Putain, par moments, on les confond tellement. Bon, c'est pas très grave. J'ai tiré sur mon gars, complètement abruti. Très bien réveillé. Pourtant, en plus, c'est pas genre, on voit pas. Hein. Il a une barre violette et tout, complètement pas concentré. Là. On va aller se mettre là. Mais ça arrive très très souvent dans le jeu, se tirer dessus. Parce que, en fait, ils ont... Il y a eu vraiment un problème, je pense, de design, en fait, dans le jeu. Ils ont vraiment... Ils auraient dû faire un truc plus simple, mais ils ont pas voulu. C'est qu'en fait, ils ont mis tout le monde pareil. C'est ce qui est un peu c'est de l'économie de travail, mais du coup, c'est illisible. Parce qu'on n'a pas ce problème hein, dans Vandal Hearts. Hein. Vandal Hearts, ça m'est jamais arrivé de confondre tes alliés avec tes ennemis. Hein. Alors, je cite Vandal Hearts parce qu'on y a joué cette année. Hein. Mais ouais, c'est un vrai problème dans le jeu, c'est clairement pas lisible. Hein. C'est assez flagrant qu'il y a eu clairement un gros problème sur le design. Hein. Parce qu'il fallait faire des unités à chaque fois complètement différentes. Ou au moins de couleurs suffisamment différentes pour qu'on ait pas besoin de passer par un système où c'est quand tu mets leur barre de vie que tu vas les distinguer. Mais clairement, ouais, c'est le gros point noir du jeu. Hein. C'est que la lisibilité des unités, je sais pas ce qu'il aurait passé par la tête. Ouah, je limite erreur. C'est tellement nice. Là, il va avoir moins de défense et moins d'attaque. Ce qui fait bien plaisir. Il va bouger, lui, entre-temps, ouais. Ok, je vais essayer de caler mon perso. Attends, il a pas bougé, mon perso. Ouais. Je vais caler mon perso... Comme ça. On va peut-être se prendre un caillou dans le dos, mais... Ouais, parce que déjà que l'autre allait prendre un coup dans le dos... Ah oui, lui, c'est vrai que je l'ai mis un peu en hauteur. Alors... Bon, le premier doit craindre la magie. 155. 133. Hop. Une petite tornade dans ta legueux. Tu peux le faire reculer quand même. Oh, on va le mettre là. Alors, est-ce que mon soigneur atteint... Est-ce que mon soigneur atteint des sommets? Ah, donc il avance. Un petit poil ici. Ouais, nice. Bon, je suis une bonne et bon, hein. Ouais. Riposte qui fait mal. Elle fait des trucs, elle, hein. Ah ouais. Pas mal, sa petite magie, là. Flèche. Et là, lui, on va le terminer. Est-ce que je termine pas avec une magie pour être sûr de... Et après, j'avance. Tout en allant chercher son sac, évidemment. Camé de l'avatar, marque du sacrifice. Alors ici, on en est où? Ouais, on va peut-être aller taper elle. Poste.
Ensuite ici. ...269... Allez, sur lui, je peux pas me déplacer là-bas, ouais, ok. Bon, bah ça sera 269 ici. Boum. Ok. C'est marrant qu'il soit descendu. Ah ouais, je vais prendre le bonus d'attaque ici. Hein. Oh, ça lui. Ouf. Comme il s'est fait régler lui, oh la vache. Il va prendre le sac lui. Ah non. Ah ouais, il a une meilleure position en hauteur. Ah par contre il affiche terreur, ça c'est pénible. Ah ouais, lui il a pas rechargé. Ok, donc je vais le reculer. Pas rechargé lui malheureusement. Je pense pas que... Ah si, il arrive à l'atteindre de là. Hop. Ça se soigne. Ah bien. Ouais, bon, un petit coup d'arc, hein. Treize, 62, bon bah. Hop. Il suffit pour prendre le sac. Ouais, je vais quand même me mettre là si c'est pas ouf. Oh bah j'ai bien fait. C'est de la désinguer. Ouais, alors lui, il va pas être bien, lui. Lui, il va pas être bien. Il va faire moins de dégâts que prévu. Un peu plein la tête. Une mauvaise situation là, lui. Ah, elle a pris terreur. Nice. Il trouve un rondin de bois. Fait chier, faut que je le déplace. Pas terrible.
Combat d'archère là. Là. Est-ce qu'il a le temps de recharger un peu de magie lui? Nice. Ça tue pas. Je vais essayer de le rapprocher du groupe en fait. J'en profite aussi pour soigner, je vais peut-être reculer légèrement. Elle fait mal avec ses petites magies, non? Attaquer le magicien lui j'imagine, non? Ah non, ok. Tiens, t'as pris terreur, ça t'apprendra. Non, oh bah c'est bon, ça va le tuer sans utiliser sa tech. Ah évidemment il sort. Oh puis il sort biparade, ouais ça c'est de dégoûte par contre. La biparade, merci hein. Merci le jeu de bien tricher. Biparade qui n'avait rien à faire là. Ah, moi aussi j'ai mis une parade. Ça vous apprendra. Mais clairement, par contre, la parade, ouais, la parade deux fois de suite, c'était un peu abusé. Et sur la riposte et sur le. Tiens, par ça. Boum. Soigner d'ici. Ouais, je suis obligé de. Ah, le ninja va venir un peu m'embêter là.
côté. Paralysie. C'est venu d'où? Ah, c'est sa dernière attaque. Ah, du coup, il peut pas bouger. Alors, il est paralysé, mais il peut juste pas attaquer. Ok. Ok, il nous a pas sorti de parade là, au moins cette fois. Hop, la technique de l'archer. On va terminer la soie. Ah non, je vais. Ouais, je vais aller. À moins que. Ah oui, alors attends, à moins que je lui balance une magie, ça la finisse. J'ai pas besoin d'une grosse magie. Elle est haut, je sais pas, bon, peu importe. Paralysie de mon supérieur, faut croire, ouais. Hop. Juste pour qu'elle, elle aille pas trop se promener en fait. Ouais, ça sert à rien de prendre cette carte en fait. Loyauté plus 0. Bon bah ouais, laissez-la. Hein. Ah, il est obligé de redescendre. Hop. Une petite flèche. Mais est-ce que si ça fait... Ouais, c'est le même, ça fait louer à la con. Hein. Bah, il est où cette carte là? Je sais pas pourquoi ils ont foutu ça. Attends, par contre, je vois pas comment c'est fait. Ok, ici. Bla! Ça, ça fait mal. Coup qui fait mal. Nuit. Ah, loyauté plus 3, il en avait besoin, lui. Il avait besoin d'un peu de loyauté, lui. Hop. Boum. Bon, ça va. Facile aussi. Bon, la map la plus technique, c'est celle où il y a les dragons, hein, sur ce chemin-là. Celle qu'on a fait hier soir, enfin, hier après.
D'accord, ouais, et là, t'as fait toute la section. Ok, donc là, je peux me replier, puisque j'aurais fait tout ce chemin-là, et quand je reviendrai, j'aurai ça à faire, après. Sachant que j'imagine qu'ici, ça va être un peu plus costaud, parce que dans l'ensemble, à part... Je crois que c'était celle-ci. Les autres... Ça pourrait avoir un coup de tenter, mais... Hop. Donc en sachant qu'ici, je peux toujours pas... aller au magasin... Là, j'ai rien de nouveau... Puisqu'en fait, là, on est censé aller à Chris Harrow. Comme si c'était un piège, tout ça... C'est là où on est censé aller maintenant. C'est parti pour Chris Harrow. Alors, gagner un char, un tout, réussite 100%, ça va, le truc ont pas l'air ouf. Condition, ça a l'air d'être simple, ok. Dac, là, on a le droit à 10. Alors, attends, qu'est-ce qu'on a là en termes de... Berserker... Chevalier, non, ça c'est aussi, c'est Berserker. Chevaleresse. Chevalier, guerrier. Ouais, c'est des gros, c'est des bourrins, quoi. Là, ils ont deux archers. Un magicien. Et c'est quoi? Une sorcière. Okay. Alors, attends, qui c'est que j'ai là du coup? J'ai en invité Katiua. Ah oui, il faut que j'en mette deux de plus. Ah oui, bah c'est pas mon team aussi. Équipe. Attends, comment je vais... Hop. Voilà. Donc là... Ouais, j'ai mis en plus Thomas. Est-ce que je prends ma ninja pour changer? La dernière fois, j'avais pris ma dompteuse, je vais prendre ma ninja. Ok. Bon, bah allez, on tente avec ça. Donc là, du coup, j'aurai 3 archers, magicien, 2, on va dire 2 clairs, enfin 2 mages blancs, quoi. Un mage noir, 2 mages blancs, pour faire simple. Chevalier uni, quoi, ok. Un peu de diversité là. Le truc c'est que j'ai l'impression que ça va être beaucoup. Ça va être long parce que c'est que des. Des unités qui ont de la défense quoi. Du chevalier, du guerrier, du berserk. Et ça cogne en plus. Donc je pense qu'il faut qu'on avance bien tranquillement en groupe. Ah, il y a un chevalier captif. Attends, il faut le sauver lui? Par contre, si vous le sauvez, ça va être chiant. Qui est ce chevalier? Ah bah non, il se barre avec. Ah bah non, alors. Il n'y aura pas à le protéger. Mais comment il le pousse? Eh, vas-y, enlève-toi. Avance, avance, gars. Ce tombeau sera votre tombeau. Voilà, on va avancer prudemment. On va bien mettre les bourrins devant, nous aussi. Ah, peut-être pas la ninja, par exemple. Ninja, c'est pas forcément bourrin. Il y a Beat. Elle, là.
Attends, faut que je sorte du... Ça ? Emblème ? Ou tu parles dans mon équipe ? Alors... Ouais, elle. Ouais, on va pas trop la faire avancer. On va la mettre là, tranquille. Donc elle, je la contrôle pas, hein. Elle a invité, on rappelle. Ok, donc lui, j'avance un petit peu. J'imagine que là, ils sont loin. De toute façon, premier tour, à mon avis, il va rien se passer. Hein. S'ils ont pas, les archers sont loin. Ouais, lui, il se dope. Je pense qu'il va falloir songer à faire la même technique, mettre des feuilles magiques. Alors les feuilles magiques, le problème c'est qu'on peut toujours pas en acheter. Alors je peux peut-être en crafter maintenant. On avance un peu l'archer. Lui, on va le mettre là pour soigner. Hop. Là aussi, ils avancent bien en groupe. Hein. Bon alors lui, il faut pas trop que je le découvre parce qu'il a pas beaucoup de défense. Il tape, mais il peut faire de la magie et tout, mais... Pas une défense de ouf. Voilà, là on est pas mal. Alors là je peux aller chercher coup critique, mais du coup je peux rien faire parce qu'elle a pas suffisamment de MP, donc je vais peut-être pas aller le chercher. Donc on va rester, on va la laisser là. Parce que c'est quand même qu'une ninja, donc ça sert à rien d'aller prendre des dégâts un peu bêtes. Ouais, ça tape pas très fort, hein. Normal. Faut pas le... Ouais, c'est trop tôt. C'est toujours 25 points de près. De HP. N'avance pas trop la soigneuse qui se vénère là. Non, ne... s'il te plaît, commence pas les conneries. Tu es une soigneuse, hein. Tu es un sanglier. Ne va pas très loin. Je peux même pas balancer une petite magie là. Quelle indignité. Même pas balancer une petite magie, ça c'est du soin. Ah ouais, je peux rien faire. Bon bah elle avance pas, hein. Je peux pas faire grand chose. Hein. Reste par là. Alors, Canou Pupus. Caius Pupus. Caius Pupus, il peut un peu arroser là. Petite magie qui fait mal. Ah, lui, par contre, je pense qu'il va être loin. Ouais, bon, on va le garder pour le moment. Un peu loin. L'autre qui arrête pas de se booster en MP là. S'il te plaît. Par contre, je vais prendre le coup critique parce qu'au bout d'un moment, j'ai pas trop envie qu'il l'ait. Ce qui peut... Alors, par contre, il faut que je défende la magicienne là maintenant avec ses conneries. Là. Même qui arrête pas d'avancer là. Ah ouais, putain, c'est vrai que le berserk qui touche. Alors j'ai pas compris comment il touchait, mais il touche en croix autour de lui, ça a l'air bien. Là, on prend un bon critique dans la lugueux. Hop, je trouve un petit minerai brut. Ok. Ok. Poste.
Là aussi une petite riposte. Alors ok, le ninjas. C'est que j'ai peur que si je la mette là... pas pouvoir faire grand chose hein, pour le moment à ninjas. Elle risque d'être prise un peu pour cible. On va peut-être légèrement la décaler pour pas qu'ils aillent trop la chercher parce qu'elle se déplace bien. Ah ouais, c'est vrai que ça marche pas ça. Bon, on va le finir. On ira chercher ça après. C'est pas... Ah, ou alors attends, si je peux peut-être... En espérant qu'il part pas la flèche. Ok, et je vais chercher coup critique. Plus efficace. Salut à toi, Grim le Fourbe. Bonjour. Ça fait 5 cases devant la cible. Plus les dieux Diago, plus les deux côtés. Ouais, pour le berserk, ouais. Ça a l'air vaste, hein. Et parce que comme j'en ai pas dans ma team, je me rends pas compte, en effet. Mais ça, ouais, ça cogne, hein. Ça a l'air de faire le job, hein. Merci pour la précision, Green. Je vais au contact. Ou alors... Ça, je peux pas... J'envoie une petite magie et je vais au contact après. Ouais, je vais garder quand même pour faire monter ma compétence. Ah, dommage, hein, c'est tentant ça. Mais le monsieur est au milieu. L'ennemi est parmi nous. Arrête d'avancer, l'invité. Quel relou. En plus, non seulement elle arrête pas d'avancer, elle va attaquer les mauvais, là. Sérieusement. C'est vraiment pas ouf, hein. Ouais, j'ai pas envie d'aller me mettre en sandwich entre les deux. Hein. Ça m'intéresse moyennement.
Ah, du coup, il va prendre le sac. Bon, on récupérera peut-être après. Une fois qu'il sera mort. Par contre, il y a le boss qui est en train de se mettre bien. Ouf. Petit qui est bien sorti là, qui fait plaisir. Ah, évidemment, ouais, la soigneuse qui fait n'importe quoi. Hop, une petite tenaille qui fait mal. Ah, ça c'est, elle a activé ses magies. Fais voir, je les ai jamais essayées. Ah oui, 4 points, elles doivent être vraiment merdiques, mes magies. Ah, 39, c'est mieux quand même. Par contre, je peux pas. Ah si, je peux toucher. 39, c'est un peu mieux. 39 aussi. Ok, celle-là, serpent de feu. On va tester. Ah oui, pas mal. Le choix là, malheureusement avec l'autre qui fait nimp. Parce que là c'est que la première vague d'ennemis, hein. La deuxième vague est en train d'arriver. Ouf, Dark a fait extrêmement mal. Mais arrête d'avancer, sérieusement. Arrête d'avancer. Surtout pas avancer, elle fait qu'avancer. Ouais, j'ai pas trop envie d'aller m'exposer encore plus que ce n'est pour pas faire beaucoup plus de dégâts. Allez, on s'en prend tous les buffs en plus, ça va être violent. Et on fait mal. Hein. Mince. J'ai pris ma case. Ça en fait un de moins. Hein. Je suis une IA stupide, ne m'en voulez pas. Ouais, ça tank bien. Hein. Critique qui sort, faiblesse.
Ouais, bah évidemment que tu vas mourir. T'es devant. Mais ça, par exemple, le truc des invités, je pense que c'est vraiment une mauvaise idée du jeu, hein, en vrai. C'est pas très intéressant. Ça t'aide, genre, enfin, ça t'aide, et encore, ça t'aide pas vraiment. Et c'est pas très très intéressant. Les trois quarts du temps, en fait, t'essaies de les sauvegarder, mais ça sert à rien. C'est un peu la mauvaise idée du jeu, quoi, qu'ils ont repris dans FF Tactics. Je pense que... Par contre, dans FF Tactics, j'avais l'impression qu'ils étaient moins cons, mais là, dans ce jeu, c'est quand même costaud. Alors, même pas fini, hein. Bon. Ah, quoi qu'il y a le chevalier de l'effroi... Ouais, je vais mettre là, tout. Ah oui, puis alors biparade. Hein. Bon, c'est la tenaille qui a fait des dégâts. C'est marrant qu'il... Ah, parce qu'il était de dos. Qu'il préférait... taper... Oh là, ça fait que pareil. Ça y est, là, le jeu se dit, il faut que je triche parce que c'est pas normal. Quand il te sort 12 parades d'affilée... Que c'est désagréable et que c'est mal foutu parce que tu te dis non, toi t'as jamais ça en fait, t'as pas 12 parades d'affilée comme ça sans rien faire. C'est assez pénible par contre. Ça c'est toujours le vrai travers des tactics parce que eux ils sortent tout le temps des parades et toi t'en sors quasiment pas. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de gens n'y jouent pas aux tactics hein, parce que c'est des jeux qui sont connus pour cheater quand même violemment, c'est-à-dire qu'ils ont des faux attributs. Et toi, tu galères alors qu'eux, ils ont... Ils ont tout pour eux. Je vais le laisser économiser des MP. Lui. Est-ce qu'on arrive à la terminer? Non, elle va me sortir une parade magique hein, en plus. Non, elle a pas paré cette fois-ci. Oui, encore un peu de monde devant, je peux la mettre ici. Ouais, j'aurais pas dû l'avancer, lui, je le sais. Ah, mais pourtant, non, en même temps, c'est pas le pire. Je suis arrivé à finir avec ça. Hop. Nice. Est-ce que la carte, ça l'intéresse, lui? Ouais. Il augmente sa force. Par contre, mon magicien, ouais, il a pris cher, là. Une tous de bruit, je ne triche jamais, lui. Pas convaincu. Marrant, quand tu me dis ça, je suis pas convaincu, mais... C'est le boss, ça, non? Ouais. On va le tuer, là. Ouais. C'est le boss, là, qui est venu taper. Hein. Je pense qu'on va être obligé un peu de Blitzkrieg, là, hein, parce que... Ok, ça a complètement raté, GG. Le GG.
Lui, on va essayer de le dégager de l'archer et soigne-toi, s'il te plaît. Essaye de faire quelque chose. Merci. Il n'y a pas de probabilité de touche ou de riposte. Ah oui, d'accord. Ce qui peut en effet être bien. Alors, je vais même pas tenter poison parce qu'à mon avis, on va déjà finir lui. Ça, ça fera déjà ça de moins dans le terrain. Ah ouais, ce magnifique moins 2 points qui me fait envie. Hein. Et il part, évidemment. Oh, ça va, ils abusent pas du tout sur la map. Hein. Le mec est juste ultra cheaté. Je pense que ça, avec ça, je lui ferai plus de magie. Ouais, le plus de dégâts, pardon. Tiens, c'est changer de cible. Je viens à ta rescousse. Il va l'apparaître, tu vois. Non. On va te faire reculer, nous. On a les moyens de te faire reculer. Ok, il préfère aller taper la ninja, bah écoute. J'imagine que là je vais prendre une riposte. Non, il riposte pas, mais elle fait pas de dégâts. Non, je vais pouvoir le soigner d'où j'étais en fait. Ah, manque un, non, il en manque juste un. Ah, c'est peut-être parce que je suis pas en face aussi. Hop, le petit soin. Alors attends, il sait qu'il est où lui là. Tac. 27. Ah ouais, le relou. Bah toi prends terreur. Il a combien? 5. Si on arrivait à lui foutre terreur, à lui ça nous irait bien. On va se mentir. Faut pas rêver, hein. Je pense que j'arrive pas à l'attaquer de là en prenant le truc, hein. Ça m'étonnerait. Est-ce que je dois toucher son pote avant? S'il me reste plus beaucoup de magie. 24. L'arc, il y a toutes les chances qu'il me le part. Ouh, 210 lui. Attends, bah tiens, t'as un pote. On peut être regretté d'être venu, toi. Ouais, lui, on va le tuer.
Ouais, parce que comme il a pris terreur. Ouais, ça s'en fera de moins. Pas la placer, va falloir le déplacer lui de toute façon. Yeah, non, il faut pas toucher le magicien, hein, faut pas déconner non plus. Ouais. Faire grand chose là, et les cartes sont évidemment très très mal placées. On va taper lui pour la forme. Voilà, qu'est-ce qui est relou, hein? Si en plus quand tu rentres pas dans son truc, c'est pas ça qui te... qui fait que tu peux pas le taper. Je pense que le monsieur... est un petit peu cheaté. Rien qui lui fait des dégâts, c'est ouf. Il a une genre de ultra protection à la con. Faut que je fasse gaffe parce qu'il y a l'archer là-bas qui traîne, qui nous saoule. Le magicien aussi qui arrose. Hein. Bien pénible aussi. Hein. Ah ouais, et puis alors en plus, il veut pas se battre et il a une sorte d'aura de protection. Il est bien pénible, le, leur mec, là. Putain, j'avoue, lui, il est bien pété, hein. Ah ouais, dans le genre bien relou pété, lui, il se tient là, hein. Qui lui fait du dégât, c'est ouf. Au moins lui, il arrêtera de nous embêter. Je suis obligé de le soigner.
pas comment t'es censé lui faire des dégâts. Alors, il y a un truc que je dois pas avoir. Hein. Ça va être une connerie comme ça. Il y aura un truc qui doit, auquel il doit être sensible et que j'ai pas. Je pense que quand tu rentres dans son espèce d'aura, là en plus, ça le protège. Ah puis alors leur magicien, il est insupportable. Oh là, leur magicien, il est jamais à court de MP. Ça aussi, c'est un truc qui fait toujours rêver. Les magiciens MP infini avec les plus gros sorts de la map. C'est toujours aussi mauvais, hein. C'est très très mal réglé en fait. Tu te dis, mais non, ça peut pas exister en fait, ça. C'est pas possible, même si la méditation ou je sais pas quoi, il y a un moment. Faut juste arrêter. Bon, par contre, ouais, lui, je vais. Alors, qui est une pierre de bénédiction? C'est la vraie question. Je ne sais pas. Ah, un truc qui... Ah oui, il a perdu son étoile, ça y est, il a perdu sa protection, enfin. Un truc qui lui fait des dégâts. Par contre, ouais, j'ai personne avec une pierre de bénédiction, donc ça pue. C'est quand qu'il joue? Ah, c'est pas tout de suite. Peut-être avoir le temps de tuer l'autre zigoto, là. Lui, j'aimerais bien le désinguer parce que tu me saoules. Tiens. Pas juste parce que je peux pas te voir. T'as pris pour le reste. T'apprendras à faire des magies de l'autre côté de la map. Alors attends, qui a une pierre de... Bah personne, comment ça se fait? C'est lui. La malédiction, ok. Quand même, par précaution. Enfin, je vais regarder si je peux faire autre chose, mais par précaution. Ah, parce que lui, il pourra rien faire, il pourra pas faire une magie là de toute façon, donc hop. Une petite pierre de bénédiction. En plus, j'en ai plein qui ont pris pas mal cher, donc là que je suis obligé de... Juste pour un tour, un petit peu de les regrouper pour essayer de soigner quand même un peu. Histoire qu'ils soient un peu d'aplomb. Ouais, lui aussi, malheureusement, il va falloir qu'il parte un peu en retraite. Là. Ça sert à rien d'essayer de foncer dans le tas bêtement. On doit encore avoir un peu de quoi faire. Ouais. C'est qui joue après, magicien? Ouais, après c'est lui, ouais, bon c'est pas grave, je vais laisser un sac. Hein. Malheureusement, je peux pas aller sur le sac. Comme ça, je laisserai un sac. On va en finir parce que la map est un peu... Disons qu'il y a un moment où visiblement il est complètement protégé. Et je pense que ouais, ça sert à rien de l'attaquer à ce moment-là en fait. Juste éventuellement de sécuriser certains personnages, mais sinon ça sert à rien. On a récupéré l'arbalète. Ouais, puis ma ninja était d'aucune utilité hein, sur cette map. Hein. Ça servait vraiment à rien.
servait vraiment vraiment à rien. Elle a balancé une petite magie au loin. Mon nom est Folkert. Chevalier du Front de Libération de Valeria. Comme Ravness? Sistina, pardon. Au fond les noms. On a jamais eu le temps de discuter, nous. Ah, l'un de ses camarades qui a été enlevé par des pirates. Si on aide à le libérer et à reprendre notre bateau, nous pourrions vous emmener jusqu'à votre destination. Ah, la solution c'est le bateau. Hein. Une proposition qu'on ne peut pas refuser, évidemment. やつらはこの先のクアドリガ砦にいるはずだ。分かった。ありがとう。彼を信じるの？今の僕らには彼の言うことを信じるしか生き残れない。そんな言い方はよしなよ。 Donc on va l'aider pour réussir à avoir le bateau pour aller à Rai. 姉さんは何でも気に入らないの。 Est-ce qu'on va enfin revenir sur la map avec des achats et tout ça? Oui, ça c'est normal. Ah, on peut aller jusqu'au niveau 17, magasin nouveaux articles, ah bah voilà. Ah d'accord, et là c'est la prochaine destination, ah bah oui. Ça fait un moment qu'on était... enfin un moment. Ça faisait quelques batailles qu'on était bloqués. Ah, ça passe en jour après quand tu dépasses les 24 heures, j'ai pas fait gaffe parce que je disais 17 minutes. What? Ça fait 17 minutes que je joue au jeu. Alors attends, qu'est-ce qui me manque là? D'accord, une feuille médicinale, une. Et le reste c'est... Et... Ouais, c'est des feuilles médicinales, ok, qui me manquent, logique. Alors qu'est-ce qu'on a au magasin? Déjà on a du pognon, ça fait plaisir depuis le temps. C'est vrai qu'on a récupéré quand même des trucs. Alors visiblement il y a de nouvelles choses. Qu'est-ce que c'est ça? Ah ouais, il y a une nouvelle, des nouveaux points pour le corps à corps. Il y a un couteau de boucher. Couteau de boucher, d'accord, le Canopus peut le jouer. Guerrier peut jouer, épée courte, glaive, rapière, samchir, épée longue, épée de viking, ah, lame en balle dure, qui est mieux que le Zweihänder. On a une hache en balle dure également, ok, ah ouais, il va y avoir un peu de haste de balle dure, oui d'accord, il y a beaucoup de marteaux de balle dure, ah oui, il va y avoir du matos à acheter, hein. Attends, masse c'est pour les magiciens, qu'est-ce que c'est ça? Masse en balle dure. Ah, oh. Ah, c'est aussi, ça marche aussi pour les cuirassiers. Ah oui, non, c'est bizarre. Les cuirassiers dragons, ils peuvent faire de la magie? Parce que à la base, ça ressemble quand même plutôt à un bâton de magicien, ça. Attends, est-ce que les magiciens... Ah, non, attends, ça c'est pas... Pour les magiciens, c'est un marteau en fait. Ah ouais, mais comme il est mis après les bâtons de magie, c'est bizarre ce qu'ils ont fait. Parce que c'est vrai que ça ressemble à un sceptre. Mais en fait, non, parce que c'est que des classes qui tapent, ouais. Qui peuvent le... S'en équiper, visiblement. Voilà. Ouais, ouais, c'est que des classes qui tapent. Ok, c'est bizarre, là. Ce qu'ils ont fait. Disons que je l'aurais pas mis là.
C'est vraiment trompeur de l'avoir mis là. Ce qui est marqué, c'est marrant parce que c'est marqué béton à deux mains. Amplifiant les pouvoirs de la magie. Mais alors, pas de tous les magiciens, c'est ça, je comprends pas, parce que ça s'applique pas. Ça s'applique pas peut-être sur les mages type mage blanc. Bah non, parce que le... Non, le... Ok, donc je sais pas pourquoi. Ouais, je sais pas ce qui fait que... puisse pas le mettre. Donc attends, qu'est-ce qu'on a de sûr à acheter? On a dit une lame... Ah ouais, attends, une lame Baldur. Ouais, si, pour remplacer Mass Vyander. Ça, je prends. Une hache en Baldur. Ast en Baldur. Et marteau. Marteau en Baldur. Ok, niveau des arcs, il y a quoi? Arc en Baldur, donc là il m'en faut... Ouais, il m'en faut... au moins un. Est-ce que je tente de passer... vu que je suis obligé de faire du train pour la nouvelle classe, est-ce que je tente de monter un peu d'arbalète? Ça peut être une idée. Donc là, je vais prendre un arc comme ça, ça c'est sûr. Ensuite, ici, pavois. Qui a besoin d'un pavois? Ça, faudrait que j'aille revoir parce que je me souviens plus. Ah, il y a le homme en Baldur. Ah, on en a récupéré un, d'ailleurs. Ah ouais, ça y est, il y a tout le set en Baldur, visiblement. Alors là, il va falloir s'équiper, ça a coûté une blinde. Hein. Va falloir revendre des trucs. Ah, il n'y a pas tout le set. Il y a les gants. Ah, si, quasiment. Les gantelets. Ouais, on va peut-être pas passer tout le monde, mais on va pouvoir en passer quelques-uns. Mes soins, ils sont faibles. Mes attaques de magie, je les trouve complètement pas puissantes. Je sais qu'on commence à avoir les deux là, parce que, ouais, vraiment. Ouais, mais Tornade, il n'y a pas le niveau 2. Ah non, j'ai pas... Il y a boule de feu. Parce que là, ouais, mes magies, elles sont vraiment faiblardes. Ah ouais, attends, ça, il faut que j'en achète. Hop. Et du coup, j'imagine, on a dû... Ah, attends, faut que je vende des trucs, là, parce que je dois avoir des Highender à plus savoir qu'en faire, parce que j'en ai récupéré. Bâton de Sibyl, oui, je peux en vendre au moins. Je dois avoir des trucs... je vais vendre un marteau de pierre. Voilà, un truc comme ça. Un glaive. Hache de guerre, bon ça je peux garder. Bâton de mage, bon ça je garde. Ouais, Ender, je peux en vendre facile. Déjà une. Hache lourde, je peux en vendre une. Ok, ça je touche pas. Ouais, les hommes en bronze, j'en ai beaucoup. Hein. Vache. Ouais, je peux en vendre 10. Hein. Facile. Hop. Ça remplit les caisses. Les trucs en cuir, ouais, je peux juste en garder les deux à la limite, mais... Est-ce que ça me sert? Bon, les gants en cuir, je peux en vendre un. Les culottes en lin, je peux en vendre. Ouais, je vais pas en vendre vite, je vais en garder. Garder deux, parce que les magiciens, les diadèmes, je peux en vendre deux, trois. Ok.
ça, les codes de maille, ouais, j'en ai bien stocké aussi. Je peux en vendre 8. Manchon de cuir, j'en vends 2. Bon, ah, ça, c'est les trucs qui ont été un peu farmés. Ouais, je peux en vendre 5. Hop. Là, je peux en vendre 3. Ah, ça fait du bien. Ouais, parce qu'évidemment, c'est tout le matos que j'ai un peu récupéré. Est-ce qu'il y a des trucs que je peux crafter Ouais, alors, augmenter les armes, honnêtement, les armes en plus 1, le truc, c'est que ça te coûte du craft, et qu'en fait, étant donné que tu vas changer ton armement, pour le moment, j'avoue, je vois pas trop le délire. Ça va bien être utile, je pense, à un moment, mais le problème, c'est que si tu craques tes matériaux... Ah ouais, pour les anneaux, par contre, ça va être le seul moyen d'y avoir accès, en effet, là. C'est peut-être plus intéressant de garder pour ça, éventuellement. Ouais, j'ai pas de gemme lac descente, là. Parce que ça a l'air sympa, ça. Un anneau serti d'une pierre, il augmente un peu la force. Là, ça a l'air sympa. Ouais, il manque beaucoup de trucs encore. Alors, éventuellement, garder son matos pour les anneaux, ouais. Enfin, pour les trucs de protection. Ouais, parfois... Ah oui, c'est vrai qu'il y a des effets sur les armes, ouais. Ouais, mais le truc, c'est qu'après, tu vas... Ouais, je suppose que c'est marqué, les effets, ils sont là, ouais, en général. Ouais, ça fait des dégâts supplémentaires sur les chimères, c'est ça? Ouais, on le voit, ça rajoute des trucs en plus, ouais, là, on les voit là. Ouais, en effet, ouais, ça rajoute un petit état en plus. Mais le truc, c'est qu'après, tu vas changer d'arme. Ça qui est un peu embêtant. C'est qu'au final, tu vas changer d'arme, donc du coup, je me dis que c'est un truc que tu vas pas garder. Alors, vraiment une arme que t'as pas, je peux comprendre. Genre, par exemple, le éventail, je savais même pas qu'il y avait ça comme arme. Je sais même pas quel clash joue ça. Autant des trucs que t'as pas, je peux comprendre. Autant des armes, même qui vont augmenter, là, j'ai un peu plus de mal à voir l'intérêt, parce que je me dis, ouais... En sachant qu'en plus, ouais, tu... Ah non, tu peux même pas en faire... À part éventail. Non, parce que même pour éventail, il faut Caldia. Et là, même pour ça, il faut Crystallis des Ténèbres, ok. Bah ouais, faire vraiment les trucs... Je suis d'accord qu'il y a des petits bonus, mais le truc, c'est que je me dis, ouais, mais mon arme, je vais tomber forcément mieux. Hein. J'ai un peu de mal à vraiment voir le... Ou alors, t'as farmé vraiment les items, quoi. Tu farmes le truc de la quête annexe, là, et peut-être que t'arrives à avoir des items à certains endroits en les farmant. Et là, ok, ça peut valoir le coup parce que t'en as beaucoup plus. Mais c'est vrai que comme ça, tu te dis, bon. Du coup... Non. Elle est où, la lame? Attends, il la range comment, là? La pierre... J'ai pas acheté une lame de Baldur, j'ai confondu. Ah, il peut pas la manipuler, lui, c'est une épée à deux mains. Ah oui, bah j'ai acheté un truc en trop, en fait. Par contre, il pourrait jouer le marteau, lui, maintenant. Attends. Il peut manipuler les marteaux, lui ? Par contre, il aurait plus sa technique. Ah oui, ok, il peut manipuler les marteaux, en effet. Ah, par contre, il faudrait le remonter différemment. Il faudrait le jouer pour le... Alors, attends. Elle doit avoir le nouvel arc. Ok, nickel. Ça, on va laisser comme ça pour le moment. La hache. Ok, hache en Baldur. Et ça, je sais pas. Donc les magiciens, j'ai rien changé pour le moment. Ça, j'ai pris. Elle est où? Ouais, alors lui, le problème, le Monger... Ah, le Morgenstern, c'est meilleur. Ok, bah, je vais lui mettre le Morgenstern. Parce que l'autre, c'est un truc à deux mains. C'est vrai que c'est quand même sympa qu'il ait son petit arc. Par contre, je peux lui mettre ça, en effet. Et lui, on lui avait prévu quoi, la hache? Non, il joue marteau.
Attends, il joue quoi lui? Je sais plus ce qu'il joue. Morgenstern, oui, c'est un marteau. Ouais, ok. Il a hache à deux mains. Hop, elle est où la hache? Donc là, il perd son bouclier, ouais, normal. Lui, oui. Pareil, il a une nouvelle épée, il me semble. Ah oui, bah oui, c'était pour lui, la lame. Oui, non, je dis une bêtise, c'était pour lui, la lame. C'était pas pour Denan. Pas pour Denan, c'était pour lui. Et attends, j'en ai pas un autre qui maîtrise la hache, là? Qu'est-ce que ça vaudrait le coup? Ah, si, c'est lui. Ah oui, c'est juste que j'avais gagné une hache. Ok, ouais, c'est ça. Il me semblait bien que... Attends, il joue bien. Ouais, il joue hache, mais ok, ok. C'est juste que j'en avais... En fait, j'avais pas besoin d'en acheter... Ah, si, il y a lui, mais lui, il joue... Attends, mais Morgenstern, c'est un marteau, ça va pas marcher. Ah oui, non, c'est de la merde, ce que j'ai fait. Ça marche pas, ça. Ça va pas du tout. Elle est où? C'est quoi, hache de bûcheron qui était mieux? Ouais, c'est bête, hache de bûcheron. Ah oui, parce que lui, je vais monter les haches, et les haches à une main, là, il y en a pas d'autres. Ouais, et puis il faudrait se monter... donc lui, bon bah il fait sa vie, hein, très bien. On n'a pas gagné de nouvelles compétences, c'est normal. Ouais, il faudrait se faire du cuirassier dragon. Parce que ça a l'air d'être intéressant comme classe. Il me faudrait un berserker aussi, peut-être. Ne serait-ce que pour l'essayer, hein. Je sais pas s'il est ouf, mais... Tiens, Grim, toi qui as l'air de connaître le jeu, tu sais combien d'unités on peut avoir au total ici? Recruter à la fois. C'est quoi, c'est 20? Sans. Oh. C'est bon, on peut recruter. On peut recruter à tir. Ouais, hop. Oh, ça va, alors on peut se faire deux cuirassiers plus un berserker. Hein. Easy. Et tiens, toi qui connais aussi, est-ce que... C'est marqué dans le Warren Report. Est-ce qu'il y a des... J'imagine, alors c'est une supposition que j'ai, est-ce qu'il y a des classes qui sont mieux à prévoir pour des changements de classe? Je m'explique. Est-ce que par exemple, quand tu veux faire, je sais pas, là, un cuirassier dragon, il vaut mieux prendre un guerrier ou il vaut mieux faire attention à certaines stats? Ou en fait, on s'en fout parce que le ticket change la classe et peu importe le perso, en fait? C'est une question que je me pose. Il y en a un peu plus de 20, ouais, il y en a un peu plus de 20. Clairement, un petit peu plus de 20. Il vaut mieux prendre un perso qui vient du même style. Ouais, mais alors, il y a des styles, c'est quand même très... très difficile, en fait. Parce que moi, par exemple, Dompteur... C'est quoi la famille? Dompteur, il vaut mieux partir de quoi, par exemple? Il y a des classes, je me pose la question. Bon, à la limite, cuirassier, dragon, je me dis guerrier, ça va le faire. Ou pour berserker aussi, pour chevalier, voilà. Ça, je me dis, ok, un truc qui va aller vers le magicien. C'est plutôt physique, Dompteur. Ouais. Donc, du coup, il faudrait plutôt partir vers un guerrier ou une guerrière. Il faudra quand même que je check ça, si ça a une vraie incidence, ou alors c'est uniquement les stats de base du perso que tu recrutes. Bon là, de toute façon, faut que j'en recrute deux. Je vais prendre quoi? Feu? Feu, je dois pas en avoir tant que ça. Je prépare les futures classes. Et je vais en prendre un autre. De toute façon, il m'en faudrait trois. Non, mais pas de soucis, Grim. Merci d'avoir répondu. Écoute, bon appétit, mais on va arrêter le stream. Hein, de toute façon, là, on pose manger. Merci pour tes réponses. Mais j'en profitais parce que t'avais l'air de connaître deux, trois trucs. Merci beaucoup. Bon, attends.
Je vais prendre foudre, je crois que c'est ce que j'avais pris. Glace, j'ai dû en prendre. Je vais prendre le terre. Et je vais en prendre un autre. Bon, je vais prendre vent. Parce qu'ils disent pas combien t'en as de chaque élément. Hein. Bon, je peux le laisser feu. Hein. Non, je m'en fiche. Hop. Et du coup... Toi, on va te passer Berserker. Hop. Et là, on va se faire deux cuirassiers dragons. Parce qu'à mon avis, eux, quand il y a des bestioles et comme ils ont tendance à en mettre, ça sera pas perdu. En plus, ils sont stylés. Voilà. Bon, évidemment, on débute en rien. Ça se bat quoi, ça, avec une hache de base? Tu peux lui mettre des points, j'imagine, au berserker. Ah, il n'y a pas un qui se bat au point, tiens. Ça peut être intéressant. J'ai dû peut-être récupérer. En plus, il y en a une que je pourrais acheter. Par contre, je dois avoir des trucs de merde là pour les points, non? Ah, j'ai rien. Ah ouais, j'ai rien alors que j'ai deux haches. Ouais. Oh bah alors, d'accord, ok. Le problème, c'est que ça me ferait dépenser... Pas dépenser encore, donc on va lui mettre ça. Et lui, ok. Bon, il faudra aller les train. Mais de toute façon, là, ouais, il faut que je les monte. Donc on fera ça... Je sais pas si entre midi et deux j'aurai le temps. Ce que j'ai où c'est que je peux faire une manœuvre ici. Ok. J'ai ici. Il y a ici que je peux aller les trains. Enfin ici pour les trains c'est plus chaud quand même. Hein. C'est un petit peu plus chaud. Ok. Et après, il faut aussi que j'achète des armures. Parce que là on va commencer à être short aussi. Il va falloir que je pense à l'équipement. Il y en a un que je dois pouvoir complètement équiper, je pense. Non. Ah, le homme en baldur. Ah, ils peuvent pas tous mettre du baldur. Ok. Ça doit être réservé qu'au mastoc. Ah bah non. Tiens, qui peut mettre du baldur? Les chevaliers? Les... On sait quoi, lui? Bah... Attends. Ah, je suis pas sur le bon. Ah, mais j'ai pas récupéré... Ah, j'ai cru que j'avais récupéré un truc en baldur. Ah oui, non, ok, je sais pas. J'ai cru que j'en avais récupéré un, mais pas du tout, en fait. C'est qu'il y en a un... Ah, c'est que lui, il doit être en baldur. C'est ça. C'est que lui, en baldur. Ah, attends, je vais pouvoir checker... En même temps, je dois avoir le menu pour savoir qui peut mettre ça, non? Non, ça, c'est que ces trucs à lui. Ah, si, ça doit être là. Attends, les archers aussi peuvent mettre ça? Les fées? Ils sont sûrs de leur truc, là? Les fées, elles peuvent mettre une grosse armure... Ok, d'accord, il y a beaucoup de clients visiblement, donc à part grosso modo les, tout ce qui va être magicien et bestiole, et golem et compagnie, le reste, ouais, toujours surpris par cette histoire, c'est vrai, alors par contre ça doit pas être vrai pour les bras. Ouais, les bras t'enlèves tous les archers, ils ont des trucs particuliers. Bah oui, ils sont restreints à ce niveau-là, parce qu'il faut sans doute qu'ils gardent les bras légers, et par contre... Compte au niveau de la culotte. Ah oui, il n'y a pas de culotte de baldur. Il y a que les gantelets, la tête. Enfin, il y a le homme, l'armure et les gantelets. Ok. Ok. Bon, j'essaierai peut-être de faire un petit peu de traîne. Sinon, on finira ce soir, histoire de monter ces cuirassiers là. Histoire d'essayer. J'aime bien essayer quand il y a une nouvelle classe. Et c'est vrai que, ouais, il y a des endroits. J'aurais bien été content de les avoir plus tôt. J'aurais dû peut-être faire ça évidemment avant parce que. La map où il y avait que les reptiles, enfin que les dragons. Ouais, ça a été cool. C'est comme ça.
Merci d'avoir suivi ce stream. On se retrouve cet après-midi à partir de 14h. Alors, je sais pas, on fera... surtout qu'il faut que j'arrête à 16h30. Je pense qu'on fera que du Tactics Ogre cet après-midi. Donc ouais, il faut que j'arrête un peu plus tôt. Donc le switcher avec deux jeux, ça va être un peu, ça va prendre un peu trop de temps. Donc on fera que du Tactics Ogre cet après-midi. Ce sera plus simple. Je vous souhaite un bon appétit. Merci d'avoir suivi tout ça. Je vous souhaite une excellente après-midi, un excellent week-end si vous ne passez pas sur ce stream. Et nous, on se retrouve à partir de 14h. Ciao, bye bye et gaming. À toutes.